Cinquième partie de cette formation et on va voir comment recruter, comment parrainer 15% de vos proches en tant que filleul. Voilà, donc ça va être assez simple à utiliser. Tout simplement, on va voir 5 techniques et ensuite on verra 2 textes à transposer, à copier-coller. Finalement, c'est très très simple à mettre en place. Vous aurez vraiment juste à copier-coller et puis changer, à modifier quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Dans les techniques, la première chose qu'on va voir, c'est tout simplement de parler à la personne de sa passion. Ok, donc ça c'est vraiment super important. C'est que si vous avez par exemple votre beau-père qui est passionné de guitare, eh bien tout simplement recommandez-lui quelque chose qui va l'intéresser. C'est-à-dire par exemple une formation sur comment jouer de la guitare, comment se perfectionner en guitare, comment ceci, comment cela. Il y aura toujours des trucs. Alors moi je ne connais rien en guitare pour le coup. Je prends toujours cet exemple-là, mais j'y connais vraiment rien. Mais voilà, il y aura des cours à tous les niveaux. Il y aura des trucs pour les débutants, mais aussi pour les experts et puis pour les intermédiaires. Donc il y aura vraiment des trucs pour tout le monde. Imaginons que, je sais pas, votre belle-mère fasse du yoga. Parlez-lui plutôt d'une formation sur le yoga. Et c'est pour ça en fait que la plateforme de formation, elle sera intéressante. Parce qu'il y aura toutes les passions, il y aura du yoga, il y aura de la guitare, il y aura des cours de russe, il y aura des cours d'anglais, il y aura des cours de bien-être, il y aura des cours de sport, il y aura des cours de... Voilà, et le truc c'est qu'il y en aura pour tous les goûts, il y aura du web marketing, il y aura du e-commerce, il y aura vraiment de tous les domaines. Et le gros avantage en fait c'est que vous pourrez forcément toucher des gens qui seront intéressés par le truc. Et en fait c'est ce qui se passe en fait dans le MLM. En fait on vous dit quand vous vous inscrivez dans un programme de MLM, peu importe que ce soit Herbalife, que ce soit Avon, que ce soit Amway, que ce soit Tupperware, peu importe, on vous dit toujours fais ta liste de noms. C'est la première chose que tu dois faire. Alors là moi dans l'affiliation multiniveau, c'est vraiment pas ce que je vous conseille, c'est pas en tout cas en premier temps. Je vais en reparler juste après. Ne faites pas ça en premier temps, faites plutôt ça dans un second temps. Je reviens dessus juste après, mais c'est vraiment très important. Parce que dans le MLM, en fait, ça décourage beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, qui font leur liste de noms, et qui contactent les gens de leur famille en disant, voilà, j'ai besoin de toi, etc., etc. Et souvent, les gens ne sont pas intéressés parce qu'en plus de ça, c'est pas vraiment ciblé. C'est-à-dire que si vous faites par exemple Herbalife, moi je l'ai fait en fait en 2008, j'étais chez Herbalife, et donc c'était des produits de bien-être. Tout le monde n'était pas intéressé par le bien-être, c'est normal. Voilà, la plupart des gens ne sont pas intéressés par le bien-être, et il y a des gens qui sont intéressés, mais c'est pas une majorité de la population. Et du coup, quand je contactais mon oncle, il n'en avait rien à foutre du bien-être. Et il me disait, non, Herbalife, je m'en fous, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà, concrètement, ça peut décourager un petit peu les gens. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler au maximum, et pourquoi pas être inscrit dans plusieurs programmes pour pouvoir parler des programmes aux bonnes personnes. Donc ça, c'est la première chose, donc bien cibler les personnes en fonction de leur passion, en fonction en tout cas de ce qui les intéresse. La deuxième chose, c'est de demander à la personne de vous rendre un service. Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation. Le lien est dans la description. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.